La vieille dame a le regard ailleurs. Sans doute a-t-elle du mal à quitter la chambre toute blanche. Et puis le présent est si morne. Il y a la volonté impérieuse de cette petite qui la épouspille, la choque, la malmène. Pourquoi accepte-t-elle de se confier à ce courant d'air grossier, effronté? Mais si Marilyn s'est engouffrée dans sa vie sans autorisation, elle a aussi peu à peu chassé l'ennui, les regrets, et surtout les regrets. La petite a tant de jugeotes et elle est tellement franche et honnête. C'était un extrait du livre de Suzelle Grondin-Pilou, Takamaka, paru aux éditions Orphie, disponible en médiathèque.